Une nation amie désire acheter à la France un certain nombre de chasseurs supersoniques. Mais des saboteurs étrangers ont réussi à faire douter des qualités de cet appareil. Michel Tanguy, un pilote de la base aérienne de Dijon, prépare intensivement une démonstration qui doit prouver les réelles possibilités de l'avion. Cet accident tombe bien mal. Ouais. Un peu trop mal, même. J'attends incessamment le rapport des enquêteurs. La commission d'achat arrive le 3. Quelle chance nous reste-t-il de la décider à choisir nos avions? Si ces experts ont lu les journaux et le rapport du pilote, il n'y en a plus guère. Il n'y a pas d'autre solution? Il y a quelques années, on aurait pu s'attaquer à un record du monde de vitesse ou d'altitude, mais aujourd'hui tout ça ne signifie plus grand-chose. Qu'est-ce qui prouve encore quelque chose? L'efficacité. Nous allons essayer de prouver que notre avion est le meilleur intercepteur de haute altitude du monde. Qu'il est capable de tirer et d'abattre un adversaire volant à 20 000 mètres, 4 minutes après avoir décollé. Malheureusement, les délais qui nous restent sont si courts que le pilote que nous avons chargé de cette mission est sur les genoux. À ce point-là? Bah, monter à 20 000 mètres en 4 minutes 3 fois par jour, ça vous arrange pas un bonhomme. Il y a un risque d'accident? Oui, il y a un risque. Malheureusement, nous n'avons pas le choix. L'horizon de canon écho en montée sur le cap 090. Passant à 35 000 pieds. Prenez le cap 15, 0, l'unité 5. Vous avez l'objectif dans vos 30 degrés gauche pour 10 nautiques. Niveau 450, accélérez. Vous avez drôlement transpiré. Ah, Michel, formidable. D'après les relevés du radar Elsine et mitrailleuse, t'as fait mouche à 21 000 mètres. 4 minutes 32 après le lâcher des freins. Ah, c'est formidable. Allez, on va pouvoir faire mieux. 4 minutes, 4 minutes 15 tout au plus. Chef, oui. Vous me préparez mon scaphandre pour 15 heures. Hein? D'accord. Merci. Mon capitaine, peut-on faire le plein du moteur fusée pour cet après-midi? Vous n'avez pas remettre ça. Vous avez vu la gueule que vous avez? Après, je m'offrirai une semaine de vacances. Ernest, tu préviens les opérations. Hein. Je repars à 16h. Non, mais t'es fou, non? T'es crevé. Tu sais que je vais le dire à Nicole, hein? Je vais cafeter, hein? Écoute, Nicole, c'est ridicule. Quand tu auras le cœur claqué, tu seras bien avancé. Mais d'abord, je n'aurai pas le cœur claqué. Et puis ensuite, il n'y a pas moyen de faire autrement. Tu n'avais pas à te porter volontaire. Mais puisque j'ai l'entraînement, autant que ce soit moi qui le fasse, non? Non, je t'assure, c'est fatigant peut-être, mais c'est pas dangereux. C'est pas dangereux? Non. Tu en es certain? Mais oui. L'ennui, c'est que c'est moi qui ai tapé le rapport du colonel pour le médecin qui te surveille. Je pensais que tu m'aimerais assez pour renoncer. Non, Nicole. Je n'ai pas le droit.
Et voilà la tête complète. Hop. Ah, t'es gelé. Pas du tout. Je bouge, je vibre. Je suis fou d'amour. Oh, pitié, tu vas pas nous annoncer que t'as décroché une nouvelle souris, non? Non, monsieur, ce n'est pas une nouvelle, au contraire. C'est une fille que j'ai connue autrefois. Ah. Copine à Béatrice. Et à ce moment-là, elle avait du fric, alors elle faisait pas attention à moi, et par la suite, elle a eu des revers. Et elle se console avec toi. Objection, votre honneur. Elle m'aime. On se fiance. Je vous la présente demain. Grand dégagement à Dijon, tous ensemble. Je vous prie de croire que on en parlera longtemps dans les chaumières. Qui vous le dit? Permettez-moi de vous féliciter, vraiment bravo, hein. Moi, j'ai perdu la main, il y a deux ans, je tirais 15 balles dans le même trou. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ces engins modernes, professeur? Ben, on en tient moins, mais on fait de plus gros trous. Oh, Michel, regarde le petit ours comme il est mignon. Tu le veux? Oui. Le petit. Allez, objectif accroché. Ouais. Attends, je mets ma cartouche au moins. Ouais. Hop. Hop, très bien. Bravo. Bravo. Interception réussie, bravo. T'en veux un autre? Non, je le garde comme fétiche. J'adore les fétiches. Bon? Tu veux pas recommencer, je t'en supplie, hein? Mais Michel, si tu me demandais à moi d'abandonner quelque chose à quoi je tiens, je le ferais tout de suite. Sois gentil. Laisse tomber cette démonstration. Je haïrais les avions. Si je joue au bridge, tu me demanderas de laisser tomber les cartes, alors. Oui, mais ces cartes-là ne te feraient pas de mal. Michel, c'est sans doute la seule chose que je te demanderai dans toute notre vie. Demande-moi tout ce que tu veux, mais pas ça. Alors tu ne m'aimes pas. Mais essaie de comprendre un peu. Bien sûr, je t'aime. Mais j'ai un métier, je peux pas me permettre. Tu connais l'histoire de la femme de Mermoz? Autant des courriers héroïques qui devaient passer coûte que coûte. Et alors? Un jour, sa femme lui a demandé ce qu'il ferait si elle se jetait sous les roues de son avion avant le décollage. Il a répondu, je passerai. Ou bien si je te demandais la même chose. Merde, c'est pas vrai. Alors les tontons, on vous a fait attendre, hein? Ah, tout ça, c'est la faute à Chantal. Elle voulait absolument prendre un café. Alors, comme il était chaud, elle attendait que le refroidisse. Tiens donc. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On va à l'embassie? Ah, moi je n'y vais pas. Hein? Tu veux pas recommencer tes salades, non? Oui, tu as raison. Je vous laisse. Bonsoir. Bonsoir. Mais dis donc, il y a de l'eau dans le gaz. Qu'est-ce qu'il lui prend? Ah, mon vieux, je te jure. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Demande la Mermoz. Mais qui c'est, Mermoz? Mon vieux Ernest, l'affaire se présente mal. Hein? Tout baigne dans l'huile, si je comprends bien. Dans le vinaigre. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Bon. On va quand même à l'embassie? Oui. Hein? Bon, allez, ferme l'arrière. T'as peur des courants d'air?
Il s'agit de savoir si oui ou non vous avez besoin d'argent. Et si oui... Mais oui, j'en ai besoin. Mais ce qui me gêne, c'est la façon de le gagner. Je ne comprends rien aux scrupules. Je vous paye pour que vous me racontiez des choses que beaucoup de gens me diraient pour rien. Et si je refusais de continuer? Vous n'avez pas refusé l'argent que nous vous avons bercé. Il serait dommage pour vous de ne pas en profiter. Alors? Non. Vous m'avez fait perdre beaucoup, beaucoup de temps. J'appelle Dijon. Bon. Eh bien, on est allé tirer dans des baraques foraines. Tanguy a gagné un petit ours fétiche qu'il a donné à Nicole. Répétez-moi ça, Tanguy a donné un petit ours fétiche à Nicole? Oui, mais ensuite ça ne leur a pas porté bonheur. Ils se sont disputés et elle est partie. Comment était-il ce fétiche? C'est très très important. Oh, un petit ours brun avec un ruban, assez marrant. Vous seriez capable de me retrouver le même? Oh bien sûr, il y en a dans toutes les boutiques de jouets. Mais c'est parfait. Madeleine, je vous prie. Venez me prendre dans une heure et nous irons à Dijon après le déjeuner. Appelez Charlie, s'il vous plaît. Bon. Mais... Non, jamais de questions. Je ne vous ai pas tout dit. Mais si, plus que le nécessaire, croyez-moi. Tout à l'heure. Ah, Charlie. Salut. Est-ce que tu peux me fabriquer très vite un explosif miniature dont tu as le secret? Quel déclenchement? Écoute, onde courte. Et je manipulerai moi-même l'émetteur. Oui, mais la charge? Eh bien, tu la glisseras discrètement dans un avion dont je te donnerai l'indicatif sur la base de Dijon. Dijon? Oui, mais c'est dangereux. Es-tu suffisamment payé, non? Oui, mais vous savez bien qu'avec toutes ces patrouilles et tous ces contrôles, on peut même pas glisser une boîte d'allumettes à bord de l'avion. Je sais, mais c'est là où je suis génial. J'ai trouvé le truc. Vous en êtes sûr? Tout à fait. Messieurs, les mécaniciens viennent de terminer le plein d'acide du moteur fusée. Le commandant Mounier a dû vous expliquer que vous alliez assister à une interception d'avions hostiles à très haute altitude et dans les délais les plus brefs grâce à ce moteur. D'ailleurs, voici le pilote. Le lieutenant Tanguy. Vous déclencherez votre nom à l'instant où le pilote en bout de piste lâchera ses freins pour décoller. Vous les arrêterez dès que le lieutenant Tanguy vous annoncera avoir tiré l'objectif. Je pense que le mieux est que vous suiviez toute l'opération au radar. Le capitaine Mercier va vous y conduire. Monsieur, si vous voulez bien suivre. Allons suivre le vol aux opérations. Tanguy gardera le contact en permanence avec nous.
En ce moment, le cercueil de notre ami Tanguy doit être en train de décoller. Il y a combien de temps l'explosion? Oh, j'attends qu'il ait atteint la bonne altitude. Bah, péter pour péter. Mais non, mon vieux, la charge explosive est trop faible. À 5000 mètres, c'est pas grave, à 20 000, c'est fatal. Pourquoi ça? Parce qu'en haute altitude, la moindre fuite de pression fait tout sauter. Progrès. Encore combien de temps? Encore 4 minutes. De Canon Echo, passant à 30 000 pieds au cap 005. Formidable! Il vient d'enfoncer tous ses records de grimper. Il réalisera son interception avant 2 minutes, mon colonel. J'allume la fusée. Bonjour, mon colonel. Ah, bonjour, Nicole. Vous saluez bien. Tenez, un matin, vous cherchez pour vous remettre au suppli. Alors, vous pouvez pas se déranger jusqu'ici? Je lui ai évité cette peine. Merci. Il est bien parti, Michel? Tout va bien? Tout va bien. Tu sais que c'est gentil d'avoir accroché ton petit ourson dans son cockpit. Il a tout de suite pensé que tu n'étais plus fâché avec lui. Et je crois vraiment que ça lui a fait très plaisir. L'ourson? Tu veux dire le fétiche? Qu'est-ce que tu racontes? Bah, il y avait le même dans son cockpit. Il m'a même dit adieu avec. Michel ne s'est pas acheté lui-même un petit ourson comme ça. Ah, les salauds. L'accident, c'était bien un sabotage. Je m'en doutais. Écrou du circuit hydraulique dévissé. Morsure d'outils pas conformes sur les pans des écrous. Mon colonel, c'est peut-être idiot, mais quelqu'un a mis dans le cockpit de Tanguy le même petit ourson que celui-ci. S'il y a eu sabotage... Et Tanguy croit que c'est celui de Nicole, mon colonel. Mais c'est pas celui de Nicole, puisque... Mais il faut vérifier ça immédiatement. Encore 2 minutes 30. On a le temps de faire un essai. L'antenne. On ne peut pas courir ce risque. Réduisez tout immédiatement. Si l'ourson est piégé, il peut exploser d'une seconde à l'autre. Mettez-vous en descente accélérée. Je passe en descente accélérée. Tout réduit. Il n'y arrivera pas. Canon Echo, plus vite. Sortez les aérofreins. Cinquante-neuf secondes. Plus vite, plus vite! Messieurs, après le rapport de la commission d'enquête sur l'accident survenu à votre pilote et la nouvelle tentative de sabotage qui vient d'interrompre la démonstration du lieutenant Tanguy, je crois tout commentaire inutile. Dommage pour cette tentative de record, ça promettait d'être passionnant.
Airport de Canon Echo, prêt. Décollage dans 6 secondes. Vous voyez, monsieur, le lieutenant Tanguy a voulu être beau joueur. En ce moment même, il repart. De Canon Echo, plus que 2 secondes. Attention, messieurs, vos chronos. Top! Et voilà. Ah, oh, dis donc, c'est quelque chose le progrès. On appuie sur le zizi et paf! Allô, oui? Mais oui, cher ami, l'oiseau est rôti. Comment? Mais vous n'y pensez pas, voyons. Il n'a pas pu se produire la moindre fuite. Max, cette fois, vous vous êtes conduit comme un petit amateur. Comment vous êtes sûr que le bureau est cerné par la police? Et je vous conseille vivement de disparaître. Bon. Ça sent le gaz, monsieur Max. Nous avons une heure pour passer la frontière. Il a réussi son interception en 4 minutes. Oui, bien sûr, c'est exact. Mais sans l'avion qui va avec, le meilleur pilote ne peut rien. Je pourrais vous dire un mot, colonel. Ouf, voilà, un gros problème de régler. L'autre aussi. La sécurité vient d'appeler. Le ramassage est en cours. Bon, ça. Bon. De Canon Echo en descente, passant par 30 000 pieds au cap 180. Canon Echo, de Radoub Opération, message urgent. Michel, je t'attends.